Grande dame, c'est comment? C'est toi là? Comment vont les enfants? David, je suis venue prendre l'argent que tu avais emporté chez mon mari. Il y a 6 mois maintenant, mais toi, t'es que tu oublies. Ah non, non, je n'ai pas oublié. Comment pourrais-je oublier ça? Mais le problème, c'est que ma famille et moi avions traversé une situation beaucoup trop difficile. Mais je te promets, dès que j'ai l'argent, je vais te payer. Peux-tu fermer ta bouche, vieille? Hein? Stupide et fou que tu es. Vieux quoi? Oui. Si tu veux pas que je dise que tu es stupide, va et apporte mon argent. Apporte-moi cet argent maintenant même. Oh, 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 oh. Chinaza, tu as dû quitter de chez toi pour venir m'insulter ici. Juste à cause de 100 000 naira. Mais de toutes les façons, je ne te condamne pas. Vous n'avez pas tort, c'est plutôt moi qui ai tort pour avoir emprunté de l'argent près de vous, meurtrier. Oui. Qui sont ces meurtriers? Toi et ton mari. Oh, n'avais-tu pas entendu cette histoire? Oh, tu fais l'ironie. De quoi parles-tu? Maintenant, je vais voir. Tu n'es pas seulement fou. Tu es stupide et fou. Écoute-moi maintenant. Tu peux nous appeler comme tu veux. Parce que tu savais que nous le sommes quand tu étais venu prendre cet argent. Va et viens avec cet argent. Si tu ne viens pas avec, peu importe où je te verrai, dans les bisous, dans la fête, dans l'église, tu vas payer cet argent. Tu l'es déjà averti. Ne vois-tu pas? Je suis devenu vulnérable comme ça parce que je vous donne très peu d'argent. Et vous voulez me traîner à la rivière. Hein, Chinaza? Non! Ne pars pas encore dans la rivière. Paye une autre argent. Ensuite, il partira. Je ne suis pas prêt à mourir. Quoi. David n'est pas prêt à mourir. Alors donne notre argent. Je vais vous rembourser les jours que j'en aurai. C'est simple. Attends, 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 attends. Écoute-moi. Je vais te dire une vérité. Je ne m'inquiète même pas si tu es stupide. Comme d'autres vieilles hommes. Ah, laisse-moi tranquille. Chinaza, laisse-moi tranquille. Écoute, écoute-moi. Donne-moi cet argent. Si tu ne me donnes pas cet argent, tu verras de quel bois je m'échauffe. De toutes les façons, dès que j'étais en route, j'allais quelque part. Donne-moi l'argent. Hein? Voleur, regarde-les. Pourquoi vous me dérangez? Tu es léger. Je ne peux pas mourir à cause de qu'est-ce vous. Qu'est-ce que tu je encore? Je n'ai pas d'argent, c'est si tout. Si vous apprenez hein? de l'argent. Vous me faites de problèmes. C'est juste à cause de 100 000 naira. Viens payer notre hein? argent, oui. On y a là. Gerigari Maru, je condamne mon mari de t'avoir donné cet argent. Nous sommes des meurtriers, mais tu viens emprunter l'argent chez nous. C'est quoi ça? David, tu veux mourir. Tu veux vraiment mourir. Mais avant que tu meurs, paie cet argent. Sinon, tu me verras. Tu es rentré? Oui. Ok. C'est quoi le problème? Tu es tout seul? Non, je vais bien. Vraiment, je vais bien. Papa. Oui, bienvenue. Écoute-moi, chérie. Je suis tellement fatiguée. Je vais dire, est-ce que ça peut créer un problème? Si je rends ton fils Henri indépendant financièrement, tout ce dont il a besoin, il peut les trouver de lui-même. Hey, oui. Wow. C'est une excellente idée. Wow. Oui. Vraiment. Uh-huh. Oh mon Dieu. Ah, Henri sera extrêmement heureux. Oui. Une chose encore. Mm-hmm. Il va nous rendre fiers. Oui, maman. Wow, c'était oui, bon. Papa. Vraiment, c'est ça. Je peux déjà l'appeler. Non, 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 non. Ah, demain, c'est aussi un jour. Épargne-nous, qu'on se repose d'abord, qu'on réfléchisse. Ok, ainsi soit-il. Oui, je vais dire, je suis très fier de vous. Oh, vraiment, oui, je nous suis très fier de vous de tous. Toi, papa. Très fier de ça. Très fier de toi, papa. Oh, je t'aime, ma femme. En bref, tu es un bon mari que toutes les femmes désirent. Oh, tu peux le dire plusieurs fois jusqu'à l'infini. Merci, papa. Merci. Oh, Dieu, c'est vraiment bien. Papa. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Maman, je lis mes romans. Tu sais bien que j'aime le roman. Désolée.
Désolée. Qui allait venir ici autrefois? Steven, il y a 2 jours passés. Mais il a dit qu'il viendra ici aujourd'hui. Oh! Ah, il est là aussi. Salut chérie. Comment tu vas? Je vais bien. Bon après-midi maman. Bon après-midi. Oui, comment ça va? Bienvenue. Merci maman. Comment va ta maman? Elle va bien. Bien. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, tu es si ravissante. Tu m'as beaucoup manqué chérie. Moi également, tu m'as aussi manqué. Viens, je vais te dire quelque chose. Viens te Allez. Mettre, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose que je prépare pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne te dirai pas. Allons. Tu aimes bien les surprises. Qu'est-ce que c'est? Je ne te dirai rien. C'est une grande baleine. Dis-le-moi. Je te dirai quand j'aurai fini. Ok. Ma chérie. Chérie, qu'est-ce que tu lisais là? Alors, j'ai lu mes romans. Tu sais bien que j'aime les romans. Regarde, Jean-Jacques Rousseau. Ah, je vois. Mon fils Henri. Papa. Je t'ai appelé pour te présenter une grande surprise. Vraiment? Oui. Oui. Ton père t'a gardé un très grand et un bon cadeau. Et... oh là là, je suis vraiment impatient. Je vais te donner une somme d'argent que tu vas utiliser dans les affaires de ton choix. Non, mais sérieux? La somme est de... Laisse tomber. 4 millions de nègres. Hey! Hey, Seigneur, non, je ne sais quoi vous dire. Hey, mon Dieu. Prends le chèque. Hey, mon Dieu. Ah, merci, papa. 4 oh, non, millions. Non, mais ça, c'est une surprise. Oh, mon Dieu. Oh, merci, papa. Je t'en prie. Merci infiniment, papa. Tu vas me faire une promesse. De ne pas avoir les problèmes avec les gens. S'il te plaît. Ah. S'il te plaît, mon fils. Maman, s'il te croyez-moi, plaît. D'accord? Je ne ferai pas. Je vous rendrai fier, d'accord? D'ailleurs, j'en ferai plus. Tu n'as pas de choix. Oui. Oh, tu n'as pas de choix. Oh, mon Dieu. Sérieusement. Maman, merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. Oh, mon Dieu. Je crois que tu seras très jolie tout en oh, mon Dieu. Temps. Mon Dieu, mon roi. Moi. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Ah, maman. Vous avez vraiment montré l'amour de votre fils. Maman, tu sais combien j'aime Thiem. C'est la seule chose pour laquelle je peux toujours me battre. Je sais, mon fils. Personnellement, je l'aime. Et je pense que c'est la bonne pour toi. Mais cette famille a une histoire. Oh bon sang, ça va passer, maman. Maman. Oh. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Oh, comment chérie, tu vas? Tu es là. Et tes parents? Oh, bien. Qu'est-ce que tu gardes dans le sac? Ok, tu viens du marché, d'accord? Mm-hmm, exact. Alors, il s'agit de quoi? Je préparais la sauce aux légumes. Juste pour toi. Fais voir. Maman. c'est ta chérie. Oui, je veux. Je vous laisse tranquillement. Maman. Ma chérie. Ah, vraiment. Alors, fais voir. Hey, vraiment. Je sais que tu aimes ça. Oh, hey. Wow. N'est-ce pas que ça wow. D'accord, chérie. Attends un peu. Tu es la meilleure. À nos go. Qu'est-ce que tu caches là? Attends. Bon, d'accord. Ah, écoute la surprise que j'avais pour toi. Qu'est-ce qu'il y a okay, à l'intérieur? Attends. C'est un poème. Un poème? Oui.
Ok, attends, voir. Ok, d'accord, d'accord. Ferme tes yeux et je vais lire. Que je ferme les yeux. Oh, ferme les yeux. Tu aimes trop le suspense, toi. Ferme les yeux. À chaque fois que je me poserai des questions, bébé, s'il te plaît, regarde-moi. Dis, je suis vraiment tombé amoureux de toi. Mon amour est juste comme une feuille qui s'envole désespérément dans le ciel. Mon amour n'a pas de frontières. Je t'aime, mon logo. C'est si bon. Regarde ça sur écrit. Bébé, t'es tellement gentil. Merci. Merci. Merci beaucoup, chérie. Alors, à mon tour. Alors. Tiens, tu es si gentil. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème? Il y a toujours eu quelque chose qui m'est traversé l'esprit. Et cela m'inquiète jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est? Tu vas toujours commencer à ignorer comme ça? Mon amour, j'ai beaucoup de plans pour l'avenir. Ok? Je vais postuler pour un travail aussi pour le voyage. Mais je t'assure qu'une fois que je l'aurai eu, je vais m'en aller. Et une fois que ça va finir, je viens de te prendre. Oh, alors, amen, amen. Ah, ok, ça ira. Ça va aller. C'est toujours mon amour. Je t'aime aussi. Et je te souhaite. Viens. Ok. Grand frère, c'est de retour. Oui, d'accord. Alors, c'est comment? Steven? Oui? Va bien. Tu me fais honte, oh. C'est toi, d'accord? Alors, dis-moi, quand est-ce que tu viendras vivre avec nous ici? Nous n'avons pas parlé de ça, et ce n'était pas dans mes pensées. Jane, Jane, c'est toi. Henri. Ok, j'ai finalement acheté ce téléphone pour que j'utilise, mais... Ok. Tu peux l'utiliser. Hein? Prends-le, il est à toi. Tu m'as acheté un smartphone? Ah, merci. Je t'en prie, chérie. Merci. Je suis contente. Permets-moi d'avoir ça. C'est lui de qui? Non, je ne peux pas te les donner, je suis désolée. Mais c'est parce que tu as beaucoup de copines dans ton entourage, non? Je ne garde absolument rien, je ne veux juste pas que tu puisses être passionnée de cela. Pas de problème. Une chose de plus. Je ne veux pas que tu ailles dans de futilités, d'accord? Non, ce n'est pas tout le monde. Juste quelques personnes. C'est vrai? Oui. Ok. Merci. Waouh. Est-ce que tu le sauras? Fais-le-moi bien. Tu es vraiment drôle, hein? Hey, oh, je le sens aussi. Naï, il faut d'abord l'argent pour me donner de l'argent. 30 000 naira avant qu'on commence. 30 000 naira. Oui. Je vais te les donner. Donne-moi d'abord ça. Mais commence par me donner cette nuit. Le matin, je vais te donner de l'argent. Je vais accomplir ma promesse. Tu vas te sentir comme Chinaza. L'argent que je vais te donner, commence d'abord par me donner. Le matin, je vais te donner de l'argent. Allez, allez, arrange-toi. Arrange-toi. Oh. Tu es en train de masser mon habit ou mon corps? Tout, je dirais. Je ne sens rien. Tu le fais avec honte, pourquoi? Je suis ton mari. Allez. Enlève-moi les habits. Arrange-toi bien. Ma chère, je ne peux imaginer comment je me sens. Spécialement quand ma fille Jenny n'est pas là. C'est vraiment compliqué.
Chinasa, je te comprends parfaitement. On m'a envoyé ici au... Tu sais, quand mon fils n'est pas là, c'est difficile. Parce que je n'ai pas un mari à qui se plaindre. Ou qui me fait la cour. Tu l'as trouvé un homme. Chinasa, à mon âge... Oui, oui. Qu'est-ce que tu maintenant? Tantine, bon après-midi. Bon après-midi. Mon fils, comment vas-tu? Je veux bien. Bienvenue. Merci. Ma chère. Je dois maintenant partir. Toi. Merci. Tu n'aimes jamais que je rentre quand je viens. Comment ici? Je vais te dire de partir au moment où j'aime bien rester avec toi? Ah, vraiment, ma chère amie, tu es vraiment compliquée, toi. Merci. Chinasa, vraiment, ça c'est bien. Nous devons discuter sur quelque chose. Dis-le-moi, j'écoute. C'est à propos de tes propriétés. Je crois que c'est le temps pour toi de rassembler tes documents. Déjà avec Père et Fils, ta madame, c'est ça. Chinasa, qu'est-ce que tu viens de dire? Sur quoi? Le testament? Hé, mon Dieu! Hé! Chinasa, tu souhaites que je meure? Sans effet! Tu souhaites que je meure, Chinasa? Arrête! Comment je peux le faire? C'est juste à cause de tes frères. Écoute. Attends, je vais t'expliquer. Et alors? C'est parce qu'on n'avait pas un fils et maintenant nous l'avons. Tu dois maintenant préparer les testaments. Chinasa, je ne comprends pas. Pourquoi tu proposes que je fasse le testament? Hein? Parce que... Chinasa, écoute-moi. Je suis fort et en bonne santé. J'ai encore beaucoup d'années devant moi. N'ose pas me déranger. Non, je refuse. Je t'ai dit la vérité, oh. Tu ne veux pas m'écouter. Regardez celui qui dit qu'il est encore trop jeune, à son âge. Hein? Moi, je n'arrêterai pas où. Jusqu'à ce qu'il veut écrire son testament. Moi, je ne peux pas me mêler avec ces stupides frères. Obina, est-ce toi? Hey, ça fait très longtemps. En Italie, je fais le commerce de cuir et de chaussures. Tu étais en voyage? Italie. C'est vrai? Oui. Je t'ai même apporté des boots venant tout droit de l'usine. Pour moi? Oui. C'est vrai? Oui. Bienvenue. Comment va ta femme, Chinasa? Ma femme est là. Elle se porte bien. Elle est belle comme toujours, mais elle me crée des problèmes. Es-tu sûr que tu n'es pas celui qui commet les troubles? C'est comme si elle avait emballé les problèmes à la maison de son père et les apportait chez moi. Je vais être... Comment? Qu'en est-il du patron Donald? Donald est porté disparu. Et ça fait très longtemps, il ne se voit plus. Dis,
disparu. Comment? Comme tu dis, juste comme ça. Oui. Je crois sincèrement que la mort de Chidi a causé la disparition de Donald. Je souhaite que ceux qui ont causé cela seront punis. Tu as raison, tu as raison. Bien. C'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, je suis très content de voir l'agrandissement de ton espace. Grand maintenant, tu te rappelles la première fois que je suis passé ici? Donc que je t'ai vu, c'était petit. Regarde, c'est devenu grand maintenant. Maintenant, regarde, c'est devenu bien grand. Il n'y a rien, ce que je te donne et ce qui te revient. Ne t'en fais pas, je vais te les donner. Oui. Tu vas faire tout pour me donner les colis que tu m'as apportés. Dans la voiture. Alors que je te les donne. Allons, je vais le prendre. Oh, Bina. Merci d'être venu. Chinaza. Oui, ma chère. Tu parais trop inquiète, pourquoi? Ma sœur, beaucoup de problèmes. Depuis le matin, mon mari a refusé de me parler ainsi que d'autres personnes. Il a refusé de manger. Il arrive, il est allé dans son atelier. Même d'aller superviser ses travailleurs. Il veut juste rester lui-même. Tu n'as pas à te déranger. Hein? Il y a un moment dans notre vie où nous désirons un temps de solitude. Peut-être que pour lui... C'est maintenant ce moment-là. De toute façon, j'espère que tu as les nouvelles de tes enfants. Oui, oui. Ils sont tous bien. Ils ont juste fait un petit déplacement ce matin. Oui, ils vont vraiment bien. Ok. Tantine, est-ce que mon frère revient-il bientôt? Oui, il revient aujourd'hui. On l'attend aujourd'hui. Et Kenny est vraiment fan de lui. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Je pense que c'est lui. Mon fils, ouvre la porte pour lui. Pourquoi est-ce que Obina a pensé aux événements passés? Pourquoi? Chidim, il n'est pas ici à la maison? Où est-ce qu'il est allé? Bienvenue. Tante, bon après-midi. Bon après-midi. Henri, sois le bienvenu. Merci. Je constate que vous allez bien. Ouais. Tu ne vas pas abîmer ces sacs? Maman, il n'y a pas de problème. J'ai apporté ceci pour toi. Yeah. Et ça. Hey, bon gentil. Et Tante Rose, toi, tu as ça. Hey. Oh. Mon fils, Kéké, viens, toi, débrouille-toi avec ça. Ah, mon frère, merci énormément. Merci. Félicitations, mon fils. Merci beaucoup. Merci, maman. C'est beaucoup d'argent. Que le Seigneur continue à te garder en vie pour ce que tu as fait. Qu'on va, papa? Je ne vois pas ça. As-tu apporté quelque chose pour ton père? Je sais que je l'ai fait. Où est-il? Ton père est juste seul. Tout seul. Il a refusé de parler à qui que ce soit. Ni manger. Il n'est pas allé au travail. Je crois qu'il doit être à l'intérieur. D'accord. J'espère que tout va bien. Peut-être qu'il te dira. Il a refusé de le dire. D'accord. Laisse-moi aller rapidement et le voir. Ekene, aide-moi avec ça. D'accord. Je ne l'avais pas tué. Non. Je ne l'avais pas tué. Je ne l'avais pas fait. Non. Non. Oh. Mon fils, tu es rentré? Papa, tu vas bien? Bienvenue. Merci. J'ai acheté ça pour toi. Oh, c'est vrai? Oui, papa. Mon fils, fais vraiment attention. Vraiment, c'est très cher. Tu dois épargner de l'argent. Papa, tout ce que j'achète pour toi n'est pas du gaspillage. Oh, viens mon fils, viens.
Ibe me faut parler à son fils car il est là. Merci, mon Dieu. Chinaza, nous on part déjà. Ok, merci. Hein. Fais un effort d'appeler Chinoma aujourd'hui. C'est une promesse, je le ferai. Merci d'être venu. Merci. Mon fils, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse. Oh mon fils, oh, que Dieu te bénisse. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Éloigne-toi de moi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Éloigne-toi de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ne m'appelle pas Henri. Tu m'as fait peur. Ne t'approche pas. Henri. De ce que j'avais vu. Sérieusement, j'ai vu le côté le plus étrange de Henri que je n'ai jamais vu de toute ma vie. C'était comme s'il était hypnotisé ou bien possédé. Maman, regarde comment il marchait. Comme ça. Tu es au sérieux? Maman, je suis sérieuse. Je pense toujours que tu exagères. Peut-être le fâché ou quelque chose. Tu n'es pas une colère, maman. Je sais de quoi je parle. Et je ne sais même pas ce qui lui est arrivé. Je suis sérieuse. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Maman, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je pense juste que tu exagères. Calme-toi. Je veux même avoir tort, mais je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Chinaza, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi? Un cauchemar. Un cauchemar? Quelqu'un te poursuivait. Ok, ok, pas de problème. Ok, ça suffit, pas de problème. C'est fini. C'est fini. Comme c'est un rêve, considère-le comme tout autre rêve. Peut-être... Tu as pensé à ce qu'on avait fait. Ça t'avait affecté. Mais calme-toi, ok? N'aie pas peur. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Calme-toi.
suffocating. Never coming close, your papa stay police. I sight you from afar, but you always on the run. Yeah. Oh my God, walking in the front. Made up in the waste time anyway. Made me on the fish, I'm sweet and pee. Give me all the tensions of the days. We gon' live for life, no parting ways. It's funny, the whole world's a man. But I can't give up, my love is calling me. Phenomenally, I still come from it. This is what my heart just keep on yearning for. It's funny, the whole world's a man. But I can't give up, my love is calling me. Phenomenally, I still come from Jerry, it. This is what my heart keep yearning for. Gbamu bo shari ne luwa ne mu gbamu bo shari o. Gbamu bo shari o nuwe ne mu gbamu bo shari o. Everything you do is alright, alright. So long as you go be my wife, yeah, yeah, yeah. Everything you do is alright, alright. True love you never part from us. Say, gbamu bo shari ne luwa ne mu gbamu bo shari o. Gbamu bo shari o nuwe. Everything you do is alright, alright. So long as you go be my wife, alright. Everything you do is alright, alright. True love will never part for life, alright, alright. What I miss more, I got my luggage and then my no kuruma. Emma Bolin, I got coffee, moon, I got baby, because I'm coming. Dis-moi qui s'est coulé. Dis-moi que tu te régales de ce que tu fais en bébé. Oh, tu es tellement bien et sexy. Je vous gâte avec ton argent. Oui. Allez, bébé, fais vite. Ouais, bébé. Bébé. Détends-toi. Tu es moi. Détends-toi et me laisse. Je t'occupe de toi. Ok. Ma belle, tu sais, cet homme-là, Henri, il est cool et il a assez du cash à dépenser. Et Kaiti, ce jeune homme Henri, il possède tout ce que je rêve chez un homme. C'est vrai ça? Youh! Réveille-toi! À quoi penses-tu? Tu penses au miracle? Crois-tu que dans le plus profond de tes rêves, qu'il aura besoin de faire sa vie avec une traînée comme toi? Et Kaïté, c'est à moi, Sophia, que tu parles comme ça. Tu sais quoi, allez, je ne te suffit. Blâme pas. C'est pas ça ta suffit, faute, s'il ok vous plaît. J'ai besoin de voir ces gars, vous comprenez? Pourquoi s'y battre? Tu veux le voir? N'importe quoi, je ne te blâme pas, s'il c'est pas plaît. Ta faute. C'est allez, ma faute, filles, arrêtez idiote. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Henri, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas toi. Pourquoi fais-tu ceci? Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas de mal en pire. Qu'est-ce qui se passe? Henri, s'il te plaît.
te plaît, je t'implore, je t'implore. S'il te plaît, reviens. Henri, s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. Je t'ai pris au nom de Dieu, s'il te plaît. Oui. Où est-elle? Chinaza! Chinaza! Oui, monsieur, okay, j'arrive. Viens. Oh, tu es déjà prêt? Oui, je suis en train de partir. Je veux dire, je suis content de la stratégie que tu as utilisée pour les récupérer. Tu sais, sans cette stratégie, David a échoué. Suivi de Mazozoma. Monsieur Uzoma appelle ses dettes au-delà de 200 000 Naira. Je suis content, chérie. C'est pourquoi j'ai toujours confiance en toi. Hein? Une femme élevée, lorsqu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de résultat. D'ailleurs, prends ceci comme une récompense. Prends ceci en attendant, je garde un peu ce que j'ai. Ok? Tu sais, tu en auras beaucoup. Beaucoup. Ok? C'est ça, mon mari. Je t'aime aussi, ma femme. Ok? Je suis parti. Bon, ok? Je pars un peu. Mes rencontres avec ces gens. Année. Ok. Passe une bonne journée. Ok, merci. Allô? Adogo? Comment vas-tu? Comment tes enfants, ainsi que toute la famille? Alors, vas-y. Bébé, tu sais quoi? Tu as besoin d'un bon traitement. Et maintenant, je vais avoir quelque chose de précieux. Je sais. Je sais ce que tu veux. Alors, donne-les-moi. Je vais te donner pour une... Voyons qui est ici. C'est toi, chérie? Oh, mon bébé chéri. Chérie, mon amour, comment tu vas, bébé? Je veux bien. Comment ça va? Bien, merci. Je vois que tu es occupée. Ouais, je fais la vaisselle. Je peux voir. Maintenant, qu'est-ce que tu as réservé pour moi, pour mon anniversaire? Exactement, c'est pourquoi je suis venue. Sérieux? Je vais te donner ce que tu n'as jamais eu. Oh, comment tu vas? C'est vrai. Je veux quelque chose de grandiose. Waouh, c'est exactement pourquoi je suis venue. Sérieux? Je t'ai apporté un peu d'argent. Es-tu sérieux? Donc, je suis vraiment sérieux? Très bien. Oh mon Dieu! Tu sais c'est combien tout, ça? Le reste tu peux toutefois garder, c'est pour toi. Prends ça. 100 000 Naira. C'est pour toi, ma chérie. Oh mon Dieu, je rêve. Merci. Chérie. Oh chérie, merci. Waouh. Alors très bientôt on va monter à l'étage pour un petit. Tu ne m'auras pas assez, toi. C'est pour toi. Toi? Qu'est-ce qu'il y a, Naï? C'est quoi le problème? Naï, qu'est-ce qu'il y a?
Oh mon Dieu, quelle mauvaise nouvelle de la part de mon fils. C'est quoi le problème? On dit que notre fils, Henri, vit une vie de totale. Cela n'est pas vrai. Notre fils est une bonne personne et il demeure ici. Non, il a été ta dernière fois d'aller visiter Henri. Tu as oublié que Diane reste presque avec lui tous les jours. Hein? Oh mon Dieu, vraiment, ça c'est un tabou. Je ne le crois pas toujours. Il serait mieux que ça ne soit pas vrai. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Il serait mieux que ça ne soit pas vrai. Je ne le crois pas. Oh mon Dieu, vraiment, ça c'est un tabou. Non, ça ne peut pas être vrai. Non. Tu ne le crois pas. Moi, je ne pense pas que c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Bienvenue. Oh, Jay, comment tu vas? Je vais bien. Et comment va Henri? Ok, mais tu sais, ce n'est pas vraiment de la blague. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Grande sœur, Henri a complètement changé. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Je ne sais pas où. J'avais parlé avec lui hier, mais il n'avait pas l'air dérangé. Maman, bon après-midi. S'il y a un problème, tenez-moi au courant. De toutes les façons, on parlera de ça prochainement. Ma fille, dis-moi, est-ce que ça va? Oh maman, ça va. Allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Surprise, tu m'avais pas dit que tu venais. Oui, je suis venu te dire que je voyage bientôt. Non, tu peux pas me quitter si tôt. Oh non, bon sang, ne dis pas ça. Je pars pour un très court voyage à Calabar. Alors, tu sais quoi? À mon retour, je viendrai t'épouser. Je suis impatiente de devenir ta femme. Oh bébé, je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi? Promets-moi que tu resteras vierge jusqu'à ce que je revienne. Je te le promets. Merci beaucoup. Lobo, je t'aime chérie. Je t'aime aussi. Je suis impatiente de devenir ta femme. Vraiment. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi? Promets-moi que tu resteras vierge jusqu'à ce que je revienne. Je te le promets. Merci beaucoup. Oh Lobo, je t'aime chérie. Je t'aime aussi.
investigating. Never coming close, your papa stay policing. I sight you from afar, but you always on the run. Yeah. Oh my God, walking in the fog. Qu'est-ce que c'est que ça? Es-tu ma femme? Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est qui cette fille? Hein? Elle vient des je ne sais où et elle a le courage de venir arrêter la musique. Et maintenant, va balancer la musique. C'est quoi ton problème, Tite? Tu as interrompu ma danse. Sommes-nous à la morgue? Tu as intérêt à utiliser ta tête. Et vous écoutez et faites-les attentivement. À moins que ta lignée entière aille à la morgue. Vous n'avez même pas un iota de honte en vous. C'est pourquoi vous passez d'un lion en chien, de chien aux photos. Alors respectez-vous. Vous m'entendez? Respectez-vous. Allô? Attends, viens. As-tu fini de parler? Vierge Marie, prie pour nous pauvres pécheurs. Oh, doucement, idiote. Écoutez, sortez de cette parcelle. Sortez de ma maison maintenant avant que je saute sur vous. Jane! Mon Dieu, cette fille... Non, écoutez, sortez. Je dis même dehors. Je dis même dehors. Maintenant. Allez, sortez dehors. Maintenant, sortez de ma maison, je dis dehors. Allez, dehors. Je ne touche pas. Non, plus jamais ici. Je ne veux pas. Je suis folle. Allez, toi aussi. On y va. Sors d'ici. Je dis sors. Attends, je sors. Non, je n'ai pas entendu la sortir. Allez, c'est mort. Dégage. On y va. Allez, sors. Sors de ma parcelle. Sors de chez moi. Je vois le problème. Tu vas sortir. Tu vas pas me voir. Allez, tu vas sortir. Allez. Jane, partons. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Henri, qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec toi? Hey. Ma clé. Que fais-tu encore là? Allez, entre! Non, vas-y! Attends, c'est ma maison! Cette maison n'est pas tienne! Attends, Jay! On y va! Jay! Tu veux détruire mon parent? Tu veux le faire! Mais je ne te laisserai pas! Je ne te laisserai pas le faire! C'est ma maison! Je ne te laisserai pas! Jay! Je dis bien, je ne te laisserai pas! Attends, Jane! Oh mon Dieu. Comme c'est joli. Tu es mignonne, Sophie. Oh, chérie, viens. Viens, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Viens. Henri. Je ne suis pas Sophie, je suis Jane. Tu es mignon. Non! J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Henri! Henri! Jane! Peux-tu répéter ce que tu viens de dire? Tu peux le répéter? Hein? Ça, c'est ridicule. Absolument ridicule. Tu veux dire qu'il t'a violé? Le même Henri? Ton frère? Non, je ne peux pas les croire. En tout cas, tu n'as pas raison. Non. Sans effet. Hey! Non. Ce n'est pas possible. Henri ne peut pas le faire. Je crois peut-être que tu as oublié la personne qui l'a fait. Et tu as juste vu la face d'Henri. Non. Que se passe-t-il ici? Pourquoi personne ne veut me croire? Jean? Henri? Naï! Tu ne dis rien. Tu dois dire quelque chose. Où vas-tu? Dis quelque chose, oui? Quoi? Non. Mon fils ne peut pas le faire. Comment ça? Il ne peut pas le faire. Je ne peux le croire.
Je ne peux pas les croire. Seulement Henri. Mais non, non, ça c'est incroyable. Non. Tu as une idée de ce que tu viens de dire? Est-ce que tu as vraiment l'idée? C'est pas normal. Tu dois comprendre. Je l'ai perdu. Présentement, je suis dans une grande confusion. Je ne sais plus où aller et même à qui parler. Ce n'est que toi. C'est pourquoi je suis venue te parler. Je ne sais même pas comment le dire. C'est humiliant pour que ma bouche puisse le dire. Jane, je pensais que tu t'aurais gardé pour moi. Tu as promis le faire pour moi. Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait pendant que je suis encore là? Regarde-toi. J'avais cette intention de me garder propre et bio pour toi, mais regarde ce qui m'est arrivé maintenant. Personne ne peut croire que je suis avec son propre frère. Personne ne peut l'admettre. Je n'ai pas besoin de te croire. C'est vraiment impossible. Comment veux-tu que je te croie quand tu me dis que c'est ton frère qui t'a violé? Tu es une menteuse. S'il te plaît, laisse-moi t'utiliser comme mon oncle. Laisse-moi tout faire avec toi. Sois mon soutien. Je n'ai personne d'autre qui peut... Jane, sors de ma maison. Sors de ma maison. Oh mon Dieu. Va-t'en. Pitié, ne fais pas ça. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Steven. Le problème. C'est quoi les problèmes? J'ai essayé de te joindre à plusieurs reprises, mais sans succès. Henri, y a-t-il quelque chose que tu ne m'as pas encore dit? Écoute-moi. Tu peux me parler de tout, ok? Juste, fais-moi savoir. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Jane? Qu'est-ce qui ne va pas avec Jane? J'ai violé ma soeur. Quoi? Non! Tu as violé ta sœur? Dis-moi seulement que c'est une vraie blague. Comme c'est arrivé. Je sais pas ce qui m'avait pris. Quelque chose m'avait prié. Je me suis regardé vraiment. Ne me touche pas. Henri, toi, tu es vraiment démoniaque. Je peux pas croire que je vécu avec un démon comme toi. Tu as violé ta sœur et te voilà assis pour me dire de bêtises. Mais écoute, mais tu n'es pas normal. Tu es fou. Tu es fou. Ta tête ne fonctionne pas bien. Et tu sais quoi? Tu dois te trouver un médecin. Parce que tu es fou. Comment peux-tu faire ça, ta sœur?
Rita, je suis vraiment... Ah, non, ne me touche pas. N'essaye pas de me toucher. Ne t'approche même pas. Henri, considère que tout ce que nous avons eu est terminé. N'essaye plus de me chercher. N'essaye même pas. Reste loin de moi. Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu. Pardonnez-moi. Pardon. Je vous en supplie. Pardon. Tu as vu ta vie? Henri, tu es vraiment un méchant, égoïste et mauvais. Tu mérites vraiment la mort. Henri, comment as-tu pu? Henri, comment as-tu pu? Après tout ce que papa a fait pour toi, c'est vrai ça? C'est comme ça que tu le remercies? En violant ta propre sœur? Oh Seigneur, quelle abomination! Tu es méchant, Henri! Tu es vraiment méchant! Comment tu peux faire une telle chose à ta propre sœur? Comment tu peux le faire? Hein? Comment? Qu'est-ce qu'elle ne t'a pas donné? Quoi? Méchant! Peux-tu fermer ta bouche? Ferme ta bouche! Ferme ta bouche! Ferme-la! Démon, prépare-toi jusqu'au moment où tu le diras à ton père. Parce que moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Pardon. Pardonnez-moi. Pardon. Mon Dieu. Si ce sont les grilles que tu as touchées, peu importe, fais appel à ça pour la paix d'aérer. Tu vas regretter. Tu m'as vraiment déçu. Dieu! Peux-tu fermer ta bouche? Ferme-la! Arrête-toi là, ferme ta bouche. Naï, s'il te plaît, je t'en supplie par le nom de Dieu. Trouve une place dans ton cœur pour pardonner Henri. Je sais qu'il ne s'en tira pas facile. Mais s'il te plaît, il est toujours notre unique fils, pardonne-lui. Est-ce que réellement tu comprends la gravité de cet acte commis par Henri? Tu le comprends? Bien sûr, je comprends, mais... Henri et Jane, ils ont commis un acte très grave. En plus, l'abomination est un acte impardonnable. Frères et sœurs, Chinaza, ils vont payer un prix pour ça. Ils vont payer un prix. Naïe, je sais qu'ils ont commis l'abomination. Mais s'il te plaît, tu peux gentiment lui pardonner comme ton fils. Tu ne peux pas l'exposer comme ça. Chinaza, je n'ai rien encore à dire pour ce problème. Je n'ai rien. Rien. Naïe.
Je t'avais dit, mon fils. Je t'avais dit que cette famille n'a pas une bonne histoire. Et maintenant, regarde où nous en sommes. N'est-il pas clair qu'il faut l'abandonner? Hein? Ouvre tes yeux, Steven. Cette fille te mentait. Elle te mentait depuis longtemps. Maintenant, dis-moi, comment un frère peut coucher avec sa propre sœur? Si ce n'est pas qu'ils ont déjà commencé ça il y a longtemps. Hein? Maintenant, regarde où nous en sommes. Steve, ouvre tes yeux. Cette fille ne te mérite pas du tout. Laisse-la tranquille. Ça, c'est juste pour te faire comprendre ce que je disais. Tu as vu maintenant. Je te disais quoi? Tu me crois maintenant? Reconnais t'avoir blessé. Et je suis vraiment désolé pour cela. Je veux vraiment sentir cette douleur. Je ne peux pas me pardonner seul. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Pardon. Jane, s'il te plaît. Ne me touche pas, l'entends-moi. Je vais te tuer. Allons-y, allons, sois forte. C'est bon, calme-toi. Calme-toi, ma fille, ça va passer. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Sois forte, je te demande tous les jours d'être forte. Pour cette situation, tu es arrivée. Tu dois être forte. Je vais me suicider, je vais arrêter tout ça. Je veux mourir. Arrête ça, ma fille. Tu ne dois pas le faire. Arrête ça. Je te demande d'être forte. Honnêtement, mon cher, cette histoire que tu me racontes est une très mauvaise histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de conséquences attachées à cela. Mais tu vois, mais si je peux te conseiller, ne prends pas une décision qui va détruire ta famille à cet instant. Je pense que je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. D'accord alors. Je crois que tout ira mieux. Il suffit juste d'aller doucement. Thank you.
qu'il y a. Tu t'es mis ici, silencieux, inquiet et démoralisé. Est-ce que tu vas bien? Mon cher, tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras absolument rien. Écoute, un problème partagé est à moitié résolu. Je sais que je ne suis pas ton ami pour partager de problèmes, mais au moins, quel qu'en soit ce qui te dérange, tu peux me le dire. Je pourrais avoir quelque chose à te dire. Ekemé, je veux que tu ne dises à personne ce que je suis sur le point de te dire maintenant. J'ai violé ma sœur. Je ne sais quoi faire maintenant. Tu peux toujours m'aider. Mais que vas-tu faire maintenant? En ce moment précis, je n'ai aucun pressentiment. À quoi sert cette vie inutile? Comment je pourrais vivre une vie de honte et de disgrâce? Mon frère Henri, écoute. Mettre fin à ta vie n'est pas une bonne solution. Écoute, je sais que ceci est une situation très très drastique. Mais tu vois, tu dois rester ferme, fort et audacieux à cet instant. Ne pense jamais à mettre fin à ta vie. Ce n'est pas une bonne solution. Tu ferais mieux d'aller de l'avant. Pourquoi tu m'as fait ça, mon fils? Hey, dégage de là. Je ne veux pas te voir dans ma maison. Dégage. Je ne veux pas te voir ici. Je vais te tirer maintenant. Ne fais pas ça, papa. Tu es un garçon méchant. Très méchant. Hein? Il ne peut pas être mon fils tant qu'il a gâché la réputation de cette maison. Jamais. C'est un méchant. Dégage de là. D'accord. Hein? Dégage de là, sinon je tire. Non. Et toi? S'il te plaît. Toi? Je ne veux plus te voir ici quand je vais rentrer. Calme-toi. Toi? Dégage. Si je viens te trouver ici, je vais te morceler. Dégage. Arrête ça. Hein? S'il te plaît. Quel genre de personne qui inonde ma maison? Calme-toi. Hein? Hein? Dis à tes enfants de partir de ma maison. C'est ce que Henri a décidé de me payer, déshonorer ma maison avec ses cartes méchants. Hein? Qu'ils ne reviennent plus dans ma maison. Hein? D'abord, pourquoi est-ce que j'ai dû violer ma sœur? Oh mon Dieu! Quel genre d'opprobre ai-je jeté sur ma famille et moi? Oh! Essaierai-je pardonner même pour une fois?
Dans cette Que se passe-t-il? Pourquoi tu pleures? Hein? Notre fille n'est plus avec nous. Elle a finalement quitté la maison. Où est-ce qu'elle peut être? Je ne sais plus quoi faire. Écoute, ces enfants ne sont plus le mien. Je ne veux plus le voir quelque part dans ma maison. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'eux, qu'il parte le chercher. Si tu as besoin de voir tes enfants, va rester avec eux. Il n'y a rien qui peut te déranger. Hein? Ok? Si je leur vois ici, je te les jure, je vais leur tuer. Je ne peux pas rester avec le méchant. Naïe, s'il te plaît. Hein? Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je t'en prie, sois forte. Calme-toi, ok? Tes enfants ne sont pas morts. Ils sont en vie. Non, où irais-je encore? Où irais-je? Ah non, pourquoi ceci doit seulement m'arriver? Ça suffit, ma belle, arrête de pleurer. Tu risques de te faire du mal. Notre Dieu est en vie et il ne permettra pas que quelque chose de mal puisse arriver à tes enfants. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Rien ne va arriver à tes enfants. Allez, lève-toi. S'il te plaît. Ça va aller. C'est vraiment ridicule. Papa? Comment tu peux permettre à Jenny de quitter cette maison? Je voulais dire, tu devais avoir pitié d'elle. Ah, tu vois? Papa, tu vois? Là, on ne sait pas où il se trouve et on ne sait pas le joindre. J'ai parlé à votre père, mais il n'a pas voulu m'écouter, oh. Hein? Il n'a pas voulu m'écouter. Je suis allée la chercher partout, chez mes amis, chez ses amis. Elle n'est pas là, je ne sais pas si elle est où. Ça ne s'est jamais fait. Je ne les tolère pas. Hein? Alors, écoutez-moi. Je ne dois à personne aucune explication de ces problèmes. Ces vagabonds ne sont plus mes enfants. Ne me posez plus une question sur eux. Tu dois répondre à nos questions. Ils ne peuvent plus être encore tu mes enfants. Tu dois répondre à ces questions. Maintenant, je vois que vous toutes, vous êtes des folles. Je ne dirai plus une autre parole au-delà de ce que j'ai dit. Tu dois dire quelque chose, oui. Tu la fermes. Dis quelque chose. Ça ne me concerne pas. Ce sont tes enfants, oh. Ce sont tes enfants. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Oh, Dieu. Il ne veut pas nous écouter. Il ne veut même pas. Qu'est-ce que je vais faire, oh mon Dieu? Qu'est-ce que je vais faire dans ces cas pour mes enfants? Peux-tu imaginer? Ce ne sont pas des enfants. Baby, smile on my face.
Écoute, nous sommes venus à propos de ce que nous avions appris concernant ton fils et ta fille Jenny. Ichokonko et Kinga, je n'ai rien à dire de ces problèmes. Tu veux dire que tu n'as rien à nous dire? Comment ne peux-tu rien avoir à dire? Du moment où ta famille et toi avez mis la honte et la disgrâce dans notre famille. Que savez-vous à propos de la honte et de la disgrâce? Quoi? C'est maintenant toi qui m'enseignes la honte. Pourquoi vous avez été toujours ainsi? C'est un dérangement. Pourquoi? Est-ce le bon moment d'être ride envers votre frère? Hein? Vous ne changerez jamais, vous ne changerez jamais. Je crois que vous devez m'excuser parce que j'ai autre chose à faire de l'autre côté. Mais où va-t-il? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et ils sont venus faire quoi? Qu'est-ce que moi je vais dire? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Hein? Où est-ce qu'ils étaient depuis tout ce temps? C'est comme ça que tu nous traites? Non, mais c'est grave. Hein? Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Non, attends, on peut partir. Mais rappelle-toi, quand la malédiction va frapper ta maison, ne nous appelle pas. Avez-vous un problème derrière non, mais ça? Partons. Avez-vous un problème ou quoi? Partons. Qu'est-ce qui ne va pas? Une famille de problèmes. Bienvenue, Pasteur Frank. Vraiment, bienvenue, Pasteur. Bienvenue, Pasteur. Merci. Dieu m'a envoyé pour vous transmettre un message. Oui, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Oui, il y a deux jours que Dieu m'a donné un message vous concernant vous et votre foyer. Qu'il y a un malheur qui va vous frapper. Mais Dieu m'a dit que lorsque ce malheur vous frappera, vous ne serez pas à mesure de tenir. Que veut dire ce message? Pasteur, ne parle pas en parabole. Sois un peu clair. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, Dieu ne m'a pas vraiment dévoilé ce qu'est le problème. D'accord? Mais je vous conseillerai de vous adonner à la prière et vous soumettre à sa volonté. Shame on me.
Je suis gênante. J'ai fait la honte de ma famille. Un malheur? Est-ce que je ne suis pas assez fort pour l'affronter? Merde! Du n'importe quoi! Monsieur Malheur, sors de là où tu te caches! Sors d'ici! Il n'y a rien qui peut me dépasser! Il n'y a rien! Comment un pasteur peut accepter un tabou? Je n'accepterai jamais. Tu es qu'un faux pasteur. Ah, d'accord. Hé, hey, mon fils. Oui, maman. Prends bien soin de toi. Je te souhaite une bonne vie que je t'ai toujours offerte. Merci, maman, merci. Ne te laisse pas distraire par les filles. Maman, non, maman. Ils ne vont pas me distraire, d'accord? Tu m'as bien écouté. Oui, maman. Sois prudent. Oui, maman. Sois prudent. Oui, maman. Et tu vas me manquer. Tu vas me manquer, maman. Tu vas me manquer. Prends soin de toi, bye. Maman. Bye. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon fils. Bye, bye. Au revoir, maman. Ma fille, mais pour te tuer, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je suis désolée, très désolée, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi s'il te plaît. Henri, tu as vu ce que tu as fait, hein? Tu as vu ce que tu as causé? Comment tu peux être méchant jusqu'à ce niveau? Tu vois ce que tu as causé? Dieu, s'il te plaît, pardonne-lui. Pardonne-lui. Je sais que je ne suis pas une bonne femme. S'il te plaît, tu sais bien que j'ai mes enfants, je t'en supplie. Protège ma fille là où elle se trouve, mon Dieu, s'il te plaît. Oh, Seigneur, s'il te plaît, protège mes enfants là où ils se trouvent, s'il te plaît, mon Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie.
Seigneur, s'il te plaît, protège mes enfants, mon Dieu. Là-bas. Jane, c'est bien toi, Seigneur Jésus. Jane, Jane, hey Jane. Voyons, cette femme est démente. Non, c'est ma soeur. Elle n'est pas folle. Mon Dieu. Ta soeur? Oui, elle n'est pas folle. S'il te plaît, un coup de main. On le met dans le véhicule. Vite. Le mystère est sur le point de vous arriver. Je ne comprends pas. Le petit garçon à qui votre fille Jane donnera naissance est exactement le mystère dont on parle ici. Jane, ma fille? Hey, pasteur, parle-moi de ma fille. Je vais la voir maintenant, s'il te plaît. Je ne sais où est-ce qu'elle est, mais je peux vous assurer qu'elle va bien. Son bébé dévoilera
en secret et dévoilera toutes les cicatrices cachées. S'il vous plaît, pasteur, soyez un peu clair avec le langage pour comprendre ce que vous voulez dire. Bien. Cet enfant est plein de mystères. Car il va dévoiler plusieurs secrets cachés. Et il révélera plusieurs événements du passé, porteurs de malheur. Dieu m'a dit de vous dire que vous, monsieur Ouzou, ne serez pas capable de tenir face à cet orage. Oh bon, pasteur, tu nous énerves. Tu nous énerves. Ok, pasteur, je vous ai écouté. Merci pour l'information ainsi que la révélation. Excusez-moi, pasteur. Pasteur, s'il te plaît. Je veux voir ma fille maintenant. Et mon petit-fils. Donne-moi l'adresse. Comme je vous l'ai dit tantôt, je ne sais pas où ils sont. Mais seulement, ils vont bien. Donc, vous devez demeurer sous ses pieds. Et que sa volonté soit faite. Je dois partir maintenant. Oh Dieu, j'ai besoin de ma fille. Infirmier. Bonjour monsieur. Merci. Alors, comment est-ce qu'elle va? Elle va bien, monsieur. L'accouchement s'est bien passé. Qu'en est-il de médicaments que vous m'avez demandé? Nous sommes tous surpris, monsieur. Elle va parfaitement bien. Elle va bien? Elle va bien, monsieur. Oh, mon Dieu. Oui, monsieur. Eh oh, non, monsieur. Elle a besoin de plus de repos. Okay. Et surtout pour l'instant. Veuillez m'excuser, monsieur. Jésus-Christ. Jane, ma fille, félicitations. Naï, je te parle. Chinaza, laisse-moi me reposer. Naï, je comprends comment tu ressens. Mais la nouvelle de ma fille me rend tellement joyeuse. Je t'ai giflerai pour faire une telle déclaration. Réfléchis un peu. Ce nouveau-né est fruit d'une abomination. Comment tu peux résoudre le problème de l'enfant? Dans l'abomination? Tu t'attends à parler? Ne peux-tu pas voir que cette situation m'a plongé dans le malheur? Que suis-je encore? Hein? Je te préviens pour la dernière fois. La dernière fois. Heureusement que tu es ici. J'étais en route vers ta maison avant de te voir ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu Mazeruzwa disant à quelqu'un d'aller à un hôpital dont je ne connais pas le nom pour tuer un bébé. Hein? Et je l'entendais mentionner le nom de Henry et Jane. Il traitait les bébés de cette façon. Vagabond, bâtard, inutile. Une honte pour la famille. Je ne sais pas.
c'est parce que tu es un proche de la famille. Voilà pourquoi je t'en parle. Voilà un peu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux en faire? Es-tu sûr de ce que tu dis? Je suis vraiment sûr. Alors, oh, s'il te plaît, fais quelque chose. Jane. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît. Comment tu te Ne t'inquiète pas. Tout se passera très bien. Comment tu veux, papa et maman? Je suis déjà avec elle et je lui avais demandé de passer l'information aux parents à la maison. Tu les as parlé à tout le monde là? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit que maman était inquiète. Et il a dit qu'il se servira de sa maman pour passer l'information aux parents. Il ne fait que rejeter mes appels. Et je le trouve... Hein? Allô? Bonjour, Henri. C'est moi, Ekene. Oui? J'espère que tout va bien. Oui, s'il te plaît. Quelqu'un vient tout juste de m'apprendre que... qu'il a entendu ton père dire à quelqu'un de tuer le bébé. Et qu'il a mentionné ton nom et celui de Jane. Et que vous vous trouvez à l'hôpital. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, je devrais partir de là aussitôt que possible, immédiatement. Qu'est-ce que se passe? Écoute, merci énormément. Merci, tu es vraiment un ami, merci. Salut, infirmière. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi. En quoi puis-je vous aider? Merci. Je cherche ma sœur, Jane Ouzo. Elle a accouché un bébé ici. Oh, monsieur, dès que vous prenez le couloir, c'est la première porte à droite. Oh, monsieur, vous n'avez rien apporté? Oh, écoute, infirmière, ne t'inquiète pas. Je suis venu le D'accord, visiter. D'accord, monsieur, pas de problème. Bienvenue. Vous avez vu? Je n'ai trouvé personne. D'ailleurs, je vais vérifier dans l'autre chambre. Mais ils étaient là quand j'étais partie vérifier le médicament. Il s'agit de la patiente qui est au pavillon 9. Elle a été libérée. Elle est sortie? Oui, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Tu veux me dire que tu n'as pas accompli la mission que je t'ai donnée? Tu es un idiot. Un fou. Oui. Dégage. Tu n'es pas un homme. Oh, ma jupon. Hein? Hey. Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon Dieu, un faux pasteur qui accepte les tabous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Oh, mon Dieu, un faux pasteur. Hey. Hein? C'est quoi ça? Hey!
mon cher, je dois m'en aller. Je veux juste que tu prennes très bien soin d'elle. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, je crois que tu étais déjà tu en contrôle. Tu es vraiment un ami pour moi. Calme-toi. Calme-toi. Merci beaucoup. D'accord, Jen. À plus tard. Je ne peux pas garder tout ça. Oui. Je me demande ce qui nous serait arrivé ici ne nous venait pas en aide. Jane. Je suis vraiment désolé pour ce dans quoi je t'ai foutu. Je suis vraiment désolé. Ça. Laisse que ce soit ainsi. Je t'avais déjà pardonné. Je t'ai pardonné. Maman, tu ne dis toujours rien au sujet de Jenny. Personne ne sait. Je même regardais à la maison qui enfile. Elle n'est pas là. Personne ne sait où elle se trouve. J'espère que Jen, son bébé, ainsi qu'Eric vont bien. Parce que ça fait presque une année que je ne les ai pas vus. Oui, c'est ta faute, maman. C'est de ta faute. Même quand ton amie t'avait dit qu'elle était proche à accoucher, tu n'as rien fait pour ta propre fille. Tu veux me condamner pour ce que je ne connais pas. Telle est ma faute. Si le pasteur lui-même ne connaît pas l'adresse, comment j'allais le trouver? J'ai fait de mon mieux. Je n'ai plus rien à faire. Laissez-moi tranquille. C'est quoi ça? Mais je suis sûre qu'ils vont bien. Ne me dis pas que je suis une mauvaise maman. Je ne le suis pas. Alors laissez-moi. Mon cœur est très calme. Cela veut dire qu'ils vont bien. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai pas le temps de les chercher. Où est-ce que je vais les trouver? Je vais les trouver où? Ah. Jenasa. C'est quoi ton problème? Ça, c'est pas toi. Parle-moi, je suis ta copine, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur. Mon mari ne peut jamais changer. Il est devenu très isolé. Ces derniers temps, et il n'est même plus à la maison. Bref, ces derniers temps, il est vraiment loin, loin de moi. Ah. Je sais que c'est pas facile pour toi. Et c'est pareil pour lui. Oui, ma sœur. Depuis que le pasteur nous a dit, mon petit-fils serait un enfant mystérieux. C'est depuis lors qu'il a changé. En bref, je n'arrive plus à penser à ça.
Il faut juste prier. Sois forte et courageuse. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Confie-toi juste en lui. Et au moment opportun, tout ira mieux. Rappelle-toi de sa parole. Confie-toi en lui à chaque fois que tu te sens submergé. J'ai un fort sentiment que tes enfants vont bien. Merci beaucoup. Tu es vraiment une bonne amie pour moi. Merci beaucoup. Calme-toi. Sois juste calme.